Et allez, on se retrouve pour la suite de notre petit let's play sur PGA Tour 2023, toujours le mode My Career, avec Michel Laioli. Donc on est au TPC Deer Run. Le Korn Ferry Tour, opener, mode normal, toujours sur PC et tout. Donc ça, c'est vu dans la première vidéo. Alors, attends, je vais bouger la souris parce qu'en fait, on m'a fait la remarque très juste que là, apparemment... Enfin, apparemment, non, c'est pas ça. Sur la capture, là, vous voyez ma souris. Donc, je vais la bouger. Je mets sur le deuxième écran. Normalement, ça devrait être bon. Je vais mettre juste ce truc-là. Attends, parce que là, ça marche pas. Tac. Voilà, je mets juste ça ici, histoire d'avoir les indicateurs qui s'affichent. Donc, normalement, vous voyez pas la souris, là, maintenant. Ça devrait être corrigé, parce qu'elle est sur mon deuxième écran. Donc, on va y aller. On va faire ce petit 18 trous. En essayant d'être un peu meilleur que lors du premier tour, lors du premier jour. On va laisser un peu l'intro. Michel Laioli. Terminer un trou sans dépasser les limites de coups. Ouais, oui. Quoique, mais oui. Je dis mais oui, mais on ne sait pas trop. Le driver va m'amener ici. Ça sera un peu loin. Quoique. Oh, il y a du vent. Il y a du vent. Donc là, c'est en montée. Il y a moyen de le tenter, mais... Oh, je le tente au drive. Ouh, c'est très mauvais ça. Ouh, ça commence mal. Par contre, au rebond goudron, ça va aller très loin ça. Oh, faut que ça sorte de là. Oh, parfait. Oh là là. Oh, le rebond goudron. Il était beau celui-là. Un rebond goudron. Par contre, je suis très mal positionné, mais c'est pas grave. Bon, on va y aller comme ça. On verra bien là où ça atterrit. Déjà rapide. Je suis sur le green. On s'approche un peu. Et le rebond goudron du premier était pas mal. Alors, j'aime pas à droite, après ça part à gauche. C'est en montée. On va tenter comme ça, on verra bien. On verra bien où ça nous mène tout ça. Faut que ça tourne. Ah, oh, dommage. Oh, on n'était pas loin. Dommage, on n'était vraiment pas loin. Attends, là, c'est un drive. Il y a du vent hein, sur ce parcours. Déjà rapide. Ça va dans le sable. C'est dans le bunker. J'espérais que le vent me ramènera à droite, mais vu que j'ai fait un rapide... On va en plein dans le bunker. Ça commence très très bien en tout cas. Et ça, ça fait plaisir. On va se mettre comme ça. Parce qu'on va clairement manquer de vitesse de toute façon. Ah non, quand même, ça allait loin. Je m'attendais pas à ça. Ça commence mal. Ça commence même très mal. Qu'est-ce que je fais? Ouah, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal là aujourd'hui. Ouah, elle va où? C'était un par 5. Hein. C'était un par 5. C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux, mais quand même, il y a du mal là. Il y a beaucoup de mal là. Tourne! Oh non, mais tourne pas! Mais qu'est-ce que je fasse, moi? Ça tourne jamais, ces balles-là. Mais... Incroyable. Bon, il n'y a rien qui va, là. Plus 7. Waouh. Je vais pas recommencer. Je laisse même les trous où j'ai foiré complètement. Je laisse tout. Je fais pas de restart pour montrer que je suis le meilleur. Je rate, c'est pas grave. C'est la vie. Alors là, par contre, elle va tomber assez haut et avec le vent, normalement. Purée, je fais des rapides encore. Elle reste sur le green. Ouais, ça reste sur le green. Bon, attends. Il y a un peu de descente, ça tourne à droite.
risque, c'est de taper trop fort et qu'elle roule. Faut que ça aille dans le trou. Oh, ça passe à côté à chaque fois. J'ai pas la ficelle. Pettman n'est pas là. Mais non, c'est pas possible. Ah ouais, Pettman, il est parti en vacances là. C'est incroyable. Je rate absolument tout ce que je fais. Plus 3. Waouh. Wow. C'est plutôt mauvais là. Bah, c'est pas grave. Ah voilà, là ça a bien claqué. C'est lent, mais ça a claqué. On accélère le rebond. Et il est là-bas. Je pense qu'il a environ 135. Launch that one into space. Wow. Imperfect. Il était temps. Le vent de 9 mètres, c'était pile. Oh là là, c'est beau ça. Quelle approche incroyable. Ah, l'approche était belle. Pour le coup, rien à dire. Là, c'est perfect, quasiment. L'approche était très belle. Très très belle. J'ai bien pris le vent comme il faut. Là, le drive, il risque d'aller un peu trop loin. Quoique non, avec le vent. Je sais pas, franchement. On va mettre comme ça. J'ai pas voulu taper en pleine puissance. Et puis, il y a la montée. Normalement, ça va me ralentir. Là. Là, normalement, ça ralentit un peu. Parfait. Nickel. Ça va partir à droite. Donc, on compense légèrement. Mais il y a du vent. Donc, normalement, tout se compense, je pense. On verra. On verra si ça marche comme dans ma tête ou pas. Aïe, aïe, aïe. Mais le rapide, il foire tout. Je suis sur le green ou pas, là? Je crois que j'y suis. Ah non, j'y étais pas. Alors, attends. On va mettre un coup. Avant, il y avait explosion. C'est punch? Ça a changé de nom? Je crois que c'est punch. Hein. Je peux pas mettre explosion, là. Non, explosion, il existe ce coup encore. Je l'ai vu une fois. Bon, bah écoute, je sais pas. Là, il me met en chip, mais... Bon, on va la jouer en chip, tant pis. Tant pis, on va tenter le chip. Hein. Oh, c'est presque. C'est ça le risque du chip, c'est que ça parte très loin. Si tu rates... Ah là, et là, il n'y a pas assez de puissance. Forcément, il y avait une montée. Et c'est foiré. Purée, oh là là, c'est difficile. Hein. Ah, c'est chaud. C'est compliqué. Bon, on va tenter de mieux faire ici. Encore une fois, je suis en phase de redécouverte du jeu. Hein, donc, voilà, là, ça a claqué. Et quand ça claque, c'est bien. Allez, on accélère, il n'y a plus rien à voir. Lobo Edge, on va mettre un petit effet, un gros effet de rétro. On va mettre sur la droite ici. Parfait. Ouais, niveau, c'est pas mal, c'est très bien pas mal même. En fait, quand on réussit à frapper comme il faut, ben, ça va là où on veut. Et quand on fait du rapide ou du lent, forcément, ça va là où on veut pas. Bon, là, c'est allé où je voulais. Tac, tac, tac. Ok, là, on est sur quoi? Sur de l'hybride 5. Si je monte, c'est du bois 5. Le bois 5, ça va aller sur la lune. Donc, on va éviter. On va tenter le hybride comme ça. C'est un par 3. Waouh. Aïe aïe aïe. Le lent, il me décale tellement sur la droite. Si j'ai un peu de bol, le green il me ramène vers le trou, mais ça m'étonnerait. Quoique, ah, un peu quand même, ça va. Il m'a un peu ramené. Oh putain, l'ombre. Oh non. Non, assez à droite. Oh non, elle part à des kilomètres. Greens,
C'est quasiment tout droit. Oh, oh là là là. C'est tellement dur. Oh, j'ai perdu mon niveau, c'est abusé. Oh. Ah, j'ai tout perdu là. On va driver ici, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est surtout là, sur ces coups là, la... le timing, je l'ai pas, le timing. J'ai du mal à le retrouver. J'ai la ligne, mais j'ai pas le timing. Le timing, ça fait tout. On l'a vu, quand j'ai le bon timing, c'est quasiment du perfect. Le lent, est-ce que ça va? Le vent, il ne tourne pas. Non, attends, le lent compense le vent, mais c'est exceptionnel. Le lent compense le vent. Le lent est plus puissant que le vent, en fait. D'accord. Ah, dommage. Ah, dommage. C'est dommage. Il y avait moyen de faire un beau truc là. Je suis à plus 3. Hein. Aïe, aïe, aïe. Plus 3 au 9ème trou. C'est pas très bon ça. Pas mal. C'est encore une fois lent, mais ça va. Il faut que ça roule un peu. 289 mètres. On est sur de la descente. Bon, c'était à 5. Ça a quand même décalé pas mal à droite. Niveau profondeur, on est pas mal. J'avais mis un effet rétro, mais bon. Après, j'étais en descente, donc peut-être c'est ça qui a rajouté beaucoup de rétro aussi. Ah, c'est compliqué ici. Comme ça, ça devrait être pas loin. Ah, dommage. Ah, j'arrive pas. J'ai pas la ficelle. Hein. Je l'ai pas. Je retrouve plus mes ficelles. Dommage. Plus 3 à la moitié. Compliqué. Compliqué. Plus 3 à mi-parcours. Il va falloir rattraper ça. Avec ce genre de coup, ça peut être pas mal. Il n'y a toujours que 4 caméras. Hein. Est-ce qu'on a besoin de plus? Oui, ça aurait été pas mal d'en avoir plus, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ici, je vais viser l'eau. Faut pas que je me manque, sinon je plouffe. Je prends le risque. Allez, on prend le risque. Allez, vas-y. On prend le risque. Faut pas se manquer. C'est pas mal, parfait. Oh là là, c'est imperfect. J'aurais pu même aller plus à droite, mais j'ai pas osé prendre le risque là. Allez, pousse un peu, pousse. Ah, c'est... Stop. C'est quoi ce green de satanique là? Qu'est-ce que c'est que ce green? C'est quoi ce green? J'étais bien et d'un coup c'est descendu. Oh là. Wow. Ok. Alors là, si jamais ça fait l'eagle de la molté là. Là, c'est l'eagle royal. Là, c'est l'eagle du siècle là, si je le mets. Si je la mets, celle-là, c'est l'eagle du... Par contre, ça tourne pas tant que ça. Non, c'est un piège. Ça tourne pas tant que ça. Ça tourne, mais pas trop. Comme ça, on va tenter. Ouais, tu vois, ça tourne pas. Je le savais en plus. Hein. J'ai pas arrêté de le dire. Ça tournait pas tant que ça. C'était piégeux. Dommage. Dommage. J'aurais pu faire l'eagle le coup du siècle, mais j'ai raté. Bon, on passe à plus 2. Là, on a un gros vent contre, donc on y va. Ah, voilà, perfect milieu. Ça, c'est bien. On a un gros vent à 10 mètres, donc normalement, ça freine la balle, logiquement. Mais il y a une descente, donc on va atterrir sur le roof. Sur le roof, épais. Très bien, parfait. Tout ce que je voulais pas, c'est super. Ça fait plaisir. Allez, roule.
Je suis loin. Oh là là, je suis loin. Un long putt là, tu l'as dit mon pote, hein, c'est un long putt. On va mettre comme ça. On est sûr de la monter tout le long. C'est un putt tout en montée, donc ça va être compliqué d'atteindre là. C'est un peu fort, attention. Ça tourne pas. Ça tourne absolument pas dans le sens que j'avais prévu. Pas, ça n'a rien à voir. Just 9 feet remaining to the hole. Oh, what a stroke. Oh, that's a clutch par. Bon, moi, j'ai sauvé le par. J'ai au moins réussi à sauver le par, ce que je faisais pas depuis le début. C'est un par 3. Waouh. Attends. 185, c'est un 200 mètres. Ah, si j'envoie ça, je vais envoyer tellement loin. Je vais baisser un peu. Attends, on va faire ça. On va faire ça. Il y a 10 mètres devant latéral. C'est énorme. Niveau ligne, on est bon. Niveau puissance, un peu trop fort. Dommage. J'étais sur la bonne trajectoire. Allez, 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 allez. Ouf, oh, joli. Oh, joli, le putt. Le... pas le putt. Oh yeah, look at those hands. What a chip shot. Le chip, il était pas mal. On a un ralenti en plus. Eh oui, bien sûr, c'était un beau coup. J'essaie d'écouter le commentaire, ce qu'il raconte. Ça rentrait sur le côté gauche quand même. Allez, on valide. On valide. Ça, c'était pas mal. On remonte à plus 1. Alors là. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, ça reste du lent, mais c'est pas mal. Ça a claqué. Moi, ça me va. 289 mètres encore. Un gros rétro Satanas. C'est pas mal. Niveau ligne, je pense que je suis sur la bonne trajectoire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh là là. Oh, l'approche. La perfecte approche. Cette approche était parfaite. Incroyable. Ça fait deux belles approches quand même. Je suis plutôt content là. Là, on va driver. C'est du par 4. On a du vent de gauche à droite. Ok, on va essayer d'atterrir là dans ce petit entonnoir là, cette petite route. Ça serait pas mal. C'est pas mal, c'est un rapide mais ça va. Normalement le vent devrait me décaler un peu à droite. Et là, rebond, ça m'amène à droite. Ou pas. Ça m'amène dans le sable, rien à voir. Ok, j'avais mal lu la courbe. Ah voilà, là j'ai un coup à explosion là. Un coup explosion, c'est peut-être que dans le sable. Ouh, c'est marché n'importe où. Oh là là. Okay. Allez, tourne. Oh, le chip. Oh non, c'est honteux. C'est honteux. Normalement, ça rentre tout le temps. Tous les jours, ça rentre, ça. Là, ils ont pas voulu. Ça, tous les jours, ça rentre, ça. Le 15. Attends, c'est quoi cet arbre là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On tente de contourner cet arbre marginal là, parce que bon. Ah non, elle part tellement à gauche, au secours. Ah non, elle va tomber. Oh là là là, elle va où? Ah, oh, je dois me replacer, je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux rien faire. Attends. Un coup de replacement. J'espère que ça n'est pas trop loin. C'est un coup perdu, mais j'étais obligé. Je pouvais pas tenter. C'est intentable, ça. C'est impossible.
Un coup pour se repositionner, c'est obligatoire. Là, mes pieds, ça penche à gauche. Donc, logiquement, elle va partir très à gauche. Et le vent, on s'en fout un peu. Donc, j'ai fait un rapide encore plus à gauche. Mais j'ai mis un rétro qui devrait la arrêter. C'est bon. Ça l'a arrêté, mais bon. This is huge for momentum. Gotta try and hold this. This for par. Ça tourne beaucoup là. C'est une grosse pente. Eh non. J'arrive pas à putt. J'ai pas les putts. Et bogey. On repasse à plusieurs. J'ai pas les putts. J'ai pas le putting là. J'ai ça. Ah oui, d'accord. On va y aller comme ça. Hein. Je vais mettre un gros effet rétro. Il y a un gros vent. Donc on va aller au pitching wedge en normal. Et je vais viser ici. Par à droite. Ben. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, c'était bien. C'était un beau coup. C'était un beau petit coup, ça. Vent 12 contre. Ok. C'est pas mal, hein. Voilà, un petit lent, comme d'habitude. Sur les drivers, je fais tout le temps des petits lents. Je sais pas. J'ai du mal à bien avoir la puissance. Un bois 3. Allez, vas-y, tu sais quoi. Au point où on en est, on va tout tenter. Hein. Tout ce qu'on nous propose, on le tente. C'est imperfect. Ça va sur le green, mais à savoir à combien du trou on sera. On est plutôt loin là. Ah, en plus, ça va être pentu dans tous les sens. L'eagle va valoir cher. Waouh. Oh là là, la pente est tellement compliquée. Ça part à droite tout le long, c'est du gauche-droite. Ensuite, c'est de la montée gauche-droite. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'essaie de m'imaginer la courbe là qu'il va prendre. J'essaie de m'imaginer le truc. Là, si je tape là dans ce sens là, ça va faire ça. Je sais pas si j'y suis. Ça passe pas loin, hein. Ça passe pas loin. À chaque fois, je suis à côté, mais pour l'instant, j'y suis pas. Je suis à côté. Dommage. On passe en négatif, ça y est. Moins un. C'est le dernier trou. Oh là. Attends, c'est quoi cet arbre là? Ok. Léger lent, comme d'habitude. Un très léger lent. Bon, tant mieux, ça m'envoie légèrement à droite. Ça me dérange pas. C'est là où je veux aller. Tant qu'il reste sur le fairway. Voilà. Ok, donc là on est sur du gap wedge avec un gros vent. Enfin un gros vent. Du vent en tout cas. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Faut que ça freine. Ça a freiné. Il sait que c'est le dernier trou. Allez, t'y vas. J'ai failli rater. On finit à moins 2. Bon, ça va. On finit à moins 2. J'ai eu peur au début. Comme souvent, je commence très mal. Et c'est à la fin qu'on s'améliore. Succès déverrouillé. Mais bien sûr. Impressive. Top 10 finish in your first start. Gotta like that. Bon, mais on finit 8e, hein, écoute. Alors, c'est quoi tout ça? De l'XP, des niveaux, des bonus, on sait pas trop ce que c'est. Moi, j'avance. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. On verra ça plus tard. Boîte trajectoire, je sais pas quoi.
Il y a beaucoup trop de choses pour moi là dans ce nouveau jeu. Bonjour Michel, chez Tattoo Golf. Depuis un moment, nous souhaiterons vous sponsoriser pour vêtements. J'accepte. Mais bien sûr, Tattoo Golf. Chez 2K, nous vous souhaiterons vous sponsoriser pour balles. Mais bien sûr. Eh oui, on prend les sponsors, nous. My Player, est-ce qu'on a des nouveaux vêtements à mettre pour la suite de pour les prochains? Ah, attends, ouais, j'ai 5 points. Attends, j'ai 5 points. Ça, j'avais pas vu ça. N'atteignez pas 3 ferroïs en régulation. Désactivation, atteignez un ferroïs en régulation. Ok. Jardin Zen, recevez un bonus trajectoire put depuis le green. C'est quoi ça? Raté 2 putts à la suite depuis 2 mètres. Alors là, je comprends pas tout. N'hésitez pas, je vais mettre ça. Après, j'aime bien envoyer du lourd. Je vais mettre ça. Je vais tout mettre au fur et à mesure, tu sais quoi. On va pas se prendre la tête. Franchement, je vais pas me prendre la tête avec ça. Hein. Je vais mettre au fur et à mesure. Archétype main verte, machine. Moi, j'ai mis machine pour donner de la puissance. Info, c'est pas ça. Apparence. C'est où qu'on change les vêtements? C'est pas là. C'est dans casier. Ah, dans casier peut-être. Ça diminue le timing, mais je sais pas quoi choisir. Ça. 25, j'ai combien? 1175. Allez, je mets pour tout. J'ai mis pour tout. Alors, les vêtements. C'est surtout ça qui m'intéressait. Ah ouais, mais ça, c'est mon casier, ça. C'est ce que j'ai. Attends. Ça, c'est le casier. C'est où que je peux acheter des vêtements? Boutique, tout simplement. L'offre comprend, hein, 2700G. Ah oui, c'est le truc Jordan. Bon, on va attendre pour mettre le pack Jordan. On va attendre d'avoir 2700G. Du coup, il gardera cette tenue. Bon, ben sur ce, on va se laisser là, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre carrière.